cette année-ci, on a une ferie, une Frozen, qui ont volé pour une fille et pour les garçons, les femmes avec drones et Star Wars, comme film fait sortir tout à l'heure, bien en demande cette année-ci. Surtout Star Wars, oui. Un coup de début, vous trouvez Jimon Perrodé. Ouais. Surtout une figurine, comme ça, l'épée. Différentes poupées Reine des Neiges, qui nous recevra dans toute la gamme, en figurines, vêtements, même en jeux aussi, toutes sortes de catégories jeunes, nous l'avons dit au niveau Frozen. Et puis côté garçon aussi, nous avons une bonne variété, c'est-à-dire télécommande, nous avons une Flying Minions, et puis nous avons une peluche aussi, qui nous a une grande gamme qui donne une peluche, côté filles, garçons, bébés, c'est-à-dire Minions, le Grand Craze, Dragon, Reine des Neiges. Reine des Neiges, on a connu presque toute la gamme, différentes grandeurs, grosseurs, et puis on a un jeu éducatif aussi qui nous a, qui est bien intéressant au niveau qui est parents, qui passe sur le canal, parabole, nous fait apporter nous-mêmes. Voilà, donc on peut trouver, c'est plus un jeu éducatif. Un jeu éducatif, bon, aider, il y a un jeu, oui, mais il y a un jeu de famille. Quand il y a un jeu de famille, il y a plusieurs personnes qui peuvent jouer. Et en même temps, il y a interactif, bien interactif au niveau de l'éducation même, développement de l'enfant. Ça va, nous avons beaucoup de nouveaux jouets comme Frozen, comme Mignon, et de jouets éducatifs comme Ninjago et Transformers. Et mon favori, en principe, c'est Frozen. Mon poupée qui danse et toutes ces collections, par exemple, coiffeuse, kitchen set, mon cuisine, tout ça sur pied. Puis, nous avons un dinosaure et nous trouvons que mon parent donne un peu priorité aux jouets éducatifs. Parce qu'il est plus instructif, parce que beaucoup d'enfants, ce moment de nos jours, perdent beaucoup de temps au computer, au game. Alors, beaucoup de parents peuvent donner un jouet qui peut retirer à eux des jouets addictifs comme l'ordinateur là, pour qu'ils instruisent à eux comment un jouet d'antan, comment lecture, comment bricolage, comment ils développent différentes habilités. Nous avons une hocherie. Tout le monde peut avoir un orc et une flèche à cause d'une nouvelle série télé. Puis nous avons Ninjago. Ninjago est une nouvelle tendance chez les jeunes. Nous avons fait une collection. C'est un Lego qui nous fait construire. Puis nous avons Flying Fury qui est en vogue. Après, nous avons un super héros. Nous avons fait une collection. Et nous avons aussi un drone Minions. Beaucoup de jeunes sont encouragés pour ce défi. Les amis retrouvent un peluche là pour faire cadeau. Tendance chez les filles et chez les garçons aussi, c'est Banjo qui ont volé. Chez les filles, on a Flying Ferry, les garçons ont drone, hélicoptère, tout ça. Pour vivre en volé, on a trouvé ça extra. Voter donc au cas gagne manseuse Monopoly millionnaire ou gagneuse Monopoly Reine des Neiges ou cas gagne ban carte de crédit ban dernière technologie tout ban nouveau modèle tendance et tout ban dernier ou cas gagne man robot ban transformeuse qui peut arriver ou cas gagne ban hélicoptère qui ou cas transforme en dino ou cas gagne ban Spider-Man avec ban des gants même ou cas gagne ça. Dernier, c'est le Star Wars. Vous gagnez ça. Après, vous avez soit vous gagnez un livre, vous avez un enfant capable, vous gagnez un son. C'est exactement dans le film qui peut jouer. Et en même temps, il lance un missile. Un fusil à eau, nerf, de la marque nerf, comme ça. Qui est capable seulement de lire à eau, parce qu'il chute bien jusqu'à 11 mètres. Tout ban figurine Star Wars, Avengers, ou gain Spider-Man, ou gain Super Heroes, la traditionnelle poupée Barbie qui existe depuis bien longtemps. Et tous les années, nous gagnons une nouveauté, comment on appelle ça, ban descendant. Ban descendant, nous avons gagné. Garçon aussi, nous avons gagné ça, ban dinosaure. Ban dinosaure qui fait sortir aussi ça, ban dernier aussi, avec ban son, ban lumière, tout ça.